super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Coucou Corentin, Océane. Coucou les loulous. Eh hey, ben dites-moi. Ben, t'es tombée? Oui. Ben n'importe quoi. Alors, ça y est, on commence la vidéo et puis Océane a déjà tombé. Alors ben les loulous, ben qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Des œufs durs pour Pâques. Des œufs durs pour Pâques? Mais pourquoi pour Pâques? C'est bientôt Pâques? Oui. Ah, bientôt Pâques. Oh là là. Alors aujourd'hui les amis, nous allons faire donc une recette qui n'est pas vraiment une recette, c'est plutôt un tuto pour Pâques. Alors nous allons faire des œufs durs, mais qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces œufs durs? Ils ont du colorant alimentaire. Ils vont être décorés avec du colorant, donc ils vont être de toutes les couleurs, c'est ça? De toutes les couleurs. De toutes les couleurs, ah, ça va alors être chouette. Alors nous allons faire un de une couleur. Par exemple, celui-là je le fais de violet, celui-là je le fais de jaune, celui-là je le fais de vert, par exemple celui-là je le fais de rouge. Et celui-là de bleu et celui-là de... De orange, parce qu'en fait on va en fabriquer voilà. Avec tout. Ok, alors donc vous avez quoi comme ingrédients? Ben, on a du colorant alimentaire. Ça, alors je vais dire les couleurs, d'accord? Ouais, alors on a du colorant alimentaire. Alors, donc. On a du rouge, on a du vert, on a du violet et du jaune. Et du bleu. Et du bleu, oui, parce qu'on n'avait pas de bleu en gel, donc les autres sont des couleurs gel, là c'est du liquide. On a de l'eau, on a de l'eau. Et là, on a des œufs, on a 6 œufs. On a 6 œufs. Des œufs durs, plus précisément. Et quand c'est des essentiels, on a des bols. On en a un bleu, un violet, et un jaune, et un orange, et voilà, bravo pour tes couleurs, hein. Tu connais bien tes couleurs, Océane. Oui. Hein. Même il y a les mains au ustensile. Ah ouais, les mains aussi, ça peut servir d'ustensile les mains, oui tout à fait. Parce que en fait tu prends ça avec tes mains et tout. Alors les loulous, par contre, nous avons déjà cuit les œufs, mais pour faire des œufs durs, ben, c'est simple, vous prenez une casserole d'eau, vous mettez des œufs dedans et vous faites cuire pendant 10 minutes à peu près. Nous c'est bien parce qu'on a un minuteur à œufs. Voilà, et vous avez des œufs durs que vous laissez refroidir, donc maintenant ils sont durs. Alors, est-ce qu'on passe à la recette? Enfin, oui, à la recette, plutôt au tuto. Oui? Oui. Allez, bon, on passe au tuto. Alors, on va casser un petit peu, En fait, on va un petit peu taper sur la table pour qu'après, ça le casse un peu. Ouais, un peu partout l'œuf, c'est oui, ça? Oui, un peu partout l'œuf. En fait, du coup, ça va tout lui faire des écailles, en fait, à ton œuf. Oui. Ok. Et après, on va l'éplucher ou pas tout de suite? On va l'éplucher pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Bon, bah allez-y, tapez-le. Ça y est, vous avez cassé tous vos œufs? Ouais. Oui. Ouais, alors faites voir ce que ça donne. Alors, moi, j'en prends au hasard. Hop là, alors voilà, donc on a tapé les œufs. Voilà, ça ressemble à ça. Un œuf qui a été cassé dans tous les sens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va rajouter du colorant alimentaire. Moi, je vais mettre du violet. Vous allez le mettre où le colorant? Sur les œufs. Ok. Moi, j'en mets là. Il faut en mettre un petit peu. Hein. Alors, bah vas-y. Moi, j'ai plus l'habitude de celui-là, je prends. Alors, fais très attention. Parce que celui-là, il est liquide. Voilà. Donc, les amis, si vous utilisez le colorant alimentaire, surtout faites très très attention. Mais celui-là, il faut en mettre sur les doigts. Alors, celui-ci ne veut pas sortir. Le bouchon ne peut pas sortir. Ah, je vais vous aider. Moi, je mets. Voilà. Ça, c'est mieux. Ça suffit une goutte. On en met un peu plus. Moi, je encore. Vais... Vas-y. Moi, je vais faire du orange. Ça y est, vous avez fini avec le bleu et le vert. Et oui. Et le rouge ou le violet, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire comme couleur aussi? Moi, orange. Orange. Et voilà, toi, comment t'as, toi? Et moi, du vert. Du vert. J'ai fini comme... j'ai fini avec le jaune. Alors, du orange. Comment on fait du orange? On prend du jaune et du rouge. Waouh, trop bien. T'es trop forte. Mais je pense que Corentin t'a aidé un peu. Ouais. Je lui ai dit les couleurs, en fait. Oh, j'y ai pas. Alors maintenant, tu fais quelle couleur, on sait même pas? Rouge. Et Corentin, t'as terminé? Oui, moi, j'ai terminé, votre chose.
Alors, fais voir à quoi ça ressemble. Alors, moi, je veux voir un peu à quoi ça ressemble. Mais moi, je trouve celui-là le plus joli, celui qui coule. Maman, il y en a là du rouge. Eh oui, mais du rouge et du jaune, ça fait du orange. Ça fait du rouge après. Alors, voilà, les amis, alors, à quoi ressemble l'œuf de Corentin. Et là, ça fait que rouge. Et puis un autre pas très appétissant. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ah, celui-là il est très appétissant, on dirait du miel. Ouais, ouais, un peu plus, ouais. Un peu plus appétissant. J'en ai mis un petit peu, là, j'en ai mis un petit peu. Hop, tu veux que j'en rajoute? Hop, oups là, beaucoup, hein. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, les loulous, maintenant que vous avez terminé de mettre beaucoup, Laurent? On va aller mettre 30 minutes. En fait, on va mettre de l'eau et on va attendre 30 minutes. Ah, vous allez recouvrir d'eau en fait. Attends. Ok. Alors voilà l'eau, mon loulou. Alors attention parce que c'est très lourd l'eau. Hein. Tu veux commencer par où? Par le violet? Oui, par le violet. Bah, par le plus facile, on va dire. C'est bon. Non, faut recouvrir jusqu'en haut, je crois, non? Oh, ça fait que de l'eau rouge. Par l'orange? On dirait du sirop. Et voilà. On dirait du sirop. On dirait du sirop, mais faut pas le boire. Hein. Ouais. Là, on fait l'orange. Orange. Alors un petit peu. Je t'ai dit stop. Et voilà, stop. C'est bon. Bon, maintenant les loulous, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On a terminé. Mais toi, tu le mets ta main dedans pour en fait. Non, c'est bon, il est liquide, c'est bon, on va pas mettre les doigts dedans. Parce que regardez, les amis, ma main. C'est quoi? Voilà, ça ressemble à rien. Voilà, donc faites attention, ça tâche. Ah ouais. Les œufs, enfin le colorant surtout tâche, c'est pas les œufs eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on va faire, les loulous, maintenant? Ben, on va attendre. On va attendre 30 minutes. On va attendre 30 minutes, on va les laisser comme ça. Et puis après, ben, on va enlever la. Coquille. La coquille, on va voir si ça a réussi. Alors on vous retrouve juste après ou tout de suite. Enfin bon, nous on va attendre, mais vous n'allez pas attendre 30 minutes en vidéo. Les loulous, ça y est, c'est terminé? Oui. Oui. Alors est-ce que c'est joli? Bah oui, moi j'adore celui-là. Ça a l'air super joli. Alors par contre les amis, regardez celui-là. Alors celui-là, c'est le jaune. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors oui, j'ai les mains qui sont toutes sales parce que c'est maman qui les a décortiquées, mais c'était un peu compliqué pour quand c'est l'orange. Hop là, pouf. Alors voici le orange, regardez comme c'est super beau. Là, c'est le violet. Alors, bon, le bleu est vraiment magnifique. Le bleu, c'est moi qui l'ai fait. Le violet, je pensais que le violet ressortirait mieux. En fait, c'est celui qui est ressorti le moins bien. Et le vert. Et le rouge. Et le rouge, bon, comme ça on les a tous montrés. Voilà. L'orange, on a fait. C'est celui-là le mieux fait. Non, voilà, ouais, c'est le bleu le mieux fait. C'est le bleu le mieux fait, ouais. Non, c'est le jaune parce que lui, il est partout. Ah ouais, mais bon, le but, c'était de faire un peu comme des écailles de tortue. Oui, c'était de faire des traits. Ouais, un peu marbré. Alors, c'est sympa, hein, les loulous, hein. Ouais. C'est à refaire comme recette? Oui, c'est à refaire. Ça vous a plu? Oui. Ouais. Mais on goûte? Alors, bah, peut-être qu'on va goûter à midi, à table. Non, j'ai envie de goûter tout de suite. Bon, bah, si tu veux, tu peux goûter. Et alors, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, c'était une vidéo super rapide, super simple. C'est vraiment un tuto pour vous donner des idées pour Pâques, de faire des choses un peu rigolotes. Alors, nous, on va passer à table. Regardez les croquis. Oh, tu l'as croqué, tu as déjà goûté. Oh, et est-ce qu'il est bon, un œuf? Ouais. Ouais, bah, ça a le goût de l'œuf normal quand même. Hein. C'est un œuf qui est juste coloré. Et qu'on a goûté aussi le bleu. Alors les amis, bah dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres idées de recettes pour Pâques ou autre. Et puis, ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous dit ciao, ciao. Et on vous fait des gros bisous, les amis. Bisous, bisous.